Coucou, aujourd'hui on va faire une carte, ça va être le début des cartes de vœux, hein. On va souhaiter la bonne année, on a tout le mois de janvier pour les envoyer, mais si on pouvait les préparer un petit peu à l'avance, ça serait pas mal, donc je vais utiliser ce bloc là, voilà, parce que je les avais adorés ces blocs là de chez Action. Il y a, vous voyez, alors je vais commencer par la fin, il y a le calque, et il y a énormément deux die cut, ils sont trop beaux ceux-là, en plus ils sont dans les tons rouge, vert et blanc, hein, forcément j'adore ça, n'en parlons pas. Voilà, il y a tout ça, il y a plein de choses, il y a de quoi faire, et je me suis dit je vais l'utiliser. Voilà, je ne l'avais pas encore utilisé, pour l'instant je faisais pas mal de bricolage. Là on va s'intéresser aux créations de cartes de vœux. Voilà, c'est la période, hein. Donc, on va faire ça. J'ai pris une base de cartes. Alors, je ne sais pas trop. J'ai pris 15 cm, ça c'est sûr. Et après, j'ai pris la largeur de... bon, ça je le mets là pour l'instant. J'ai pris 15 cm. Voilà. Sur toute la longueur d'une feuille A4, hein, ça doit faire 21. Voilà, 21. Et hop, le 21, j'ai plié en deux sur 15 de largeur. Voilà, tout bêtement, je me prends pas la tête avec les mesures, j'allais pas recouper ici, ça sert à rien. Et ensuite, il va falloir, alors vous voyez, dans une, non vous voyez pas, puisque c'est foncé, voilà, hop, dans une feuille, j'ai pu découper mes deux morceaux. Alors, je vais vous dire quelle dimension. Il vous faut un morceau de 25 cm sur 9 cm. Ah ouais, mais ça se trouve, ça va être à l'envers. Bon, bah tant pis. Et un autre morceau de 14 cm sur 9 cm. Donc, moi, j'ai pris des couleurs assez foncées. Voilà, une feuille qui était dans ce bloc-là. Voilà. Et bon, alors la base de cartes, on va pour l'instant la mettre de côté. Il m'aurait fallu un truc plus clair à l'intérieur. Je vais prendre celui-là que je me suis réservé pour une autre carte, c'est pas grave. Et il nous faut un autre bout pour que ça ressorte. Vous allez comprendre après pourquoi. Donc celui-ci fait 8 sur 13. Alors je mets les mesures parce qu'il y a des personnes qui n'entendent pas, qui n'entendent pas. 13 cm sur 8 cm sur 13 en blanc. Voilà. Hop. Donc ce que je vais faire, je vais tout de suite coller mes fonds. Donc sur ma base ici, je vais coller mes fonds. Alors je vais faire en mousse 3D. Ça va être plus sympa. Hop. Hop, on va en mettre 3 comme ça. Ça sera bien. J'en ai retrouvé l'autre jour, donc j'en ai. C'est pas comme s'il me restait plus qu'un demi-rouleau et que je voulais l'économiser au max. J'en ai retrouvé, donc j'en avais repris. Oh, il y a un petit truc en dessous. Une petite bille de colle. Voilà, donc on enlève. Enfin, on essaye. Tac. Tac. Et... le troisième, ça c'est toujours un moment très sympa, le collage, le décollage des protections. Donc ça, je viens le mettre sur mon fond de carte. Voilà, ensuite, on va mettre le blanc. Mon double face. Ah, papa. Oui, autant que je colle là où j'ai mis les écritures. Est-ce que je peux en mettre 3? On va voir.
peut-être celui-là, il est un peu trop près du bord. Allez, on va recouper un petit bout. Parce que quand c'est trop près du bord, après, comment ? Après, on voit le double face, donc c'est pas très sympa. Enfin, pas très joli. Donc, j'enlève les trois protections. 1, 2 et 3. Voilà. Et on vient le placer au milieu. Voilà. Donc, on a un encadrement, un plus petit, un plus petit. Voilà. Voilà, c'est tout. Ensuite, on va faire un petit sapin comme ça. Donc, c'est pas compliqué du tout. Alors, on prend notre morceau de 25 cm sur 9 cm. Alors, pourquoi 9 cm? Parce que c'est la dimension de mon papier de fond, là. Voilà. Donc, comme ça, celui qui est à motif. On va prendre sur notre planche de rainurage, on va faire un premier trait à 2 cm. Ensuite, à 1 cm. À 2 cm. À 1 cm. Etc, etc. 2, 1, 2, 1, 2, 1. Voilà. 1, 2. 1. 2. Bon, ça termine par 1. C'est pas grave. On verra ce que ça donne. 1, 1, 1. Tac, tac. Et ce qu'on va venir faire en haut là, alors attendez, je vais écrire 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, etc, etc. Vous voyez, 2, 1, 2, 1, 2, 1, voilà, etc. Et on fait ça tout le long. Voilà, ma luminosité est moche, je vais essayer de changer de couleur. Parce que je trouve que ça fait un peu trop bleu, non? Ouais, c'est pas top. Bon, c'est pas grave. Et on va plier. Alors, on va plier. Ah ouais, alors avec le papier action, des fois, ça craque. Vous voyez? Bon, c'est pas la fin du monde. Voilà. On fait un accordéon. Comme ça. Ouais, vous pliez le grand, le petit, le grand, le petit. Et avant. Non, avant, j'ai oublié un truc. J'ai oublié un truc. On va venir chercher le milieu. Ici, donc 9, ça fait 4,5. On vient chercher le milieu et on va rejoindre la pointe du bas. En fait, on va faire un triangle. Hop. Pour faire le sapin. Voilà. On vient découper. Voilà. Donc. Et là, on fait l'éventail. Vous voyez, comme ceci, jusqu'en haut. Donc du coup, notre sapin qui était quand même assez long, eh ben, il se retrouve tout boudiné comme ça. Ouais, vous voyez. Hop, on obtient. Mais là, il n'est pas collé, c'est pour ça. On obtient ça. On va venir tout coller ensemble. De ça. Enfin, forcément, puisqu'on le recourbe sur lui-même. J'ai pris mon pistolet à colle chaude. Tout à l'heure, je l'avais fait à la colle. Oui, parce que j'ai fait un premier essai ici. Sauf que au pistolet à la colle ordinaire,
Ce qui se passe, c'est que ça met du temps à sécher. Voilà. Après, au double face, enlever tous les petits morceaux. Je vous avouerai, je n'ai pas envie de passer 3 heures à enlever les petits morceaux. Et je me rends compte là que j'ai pas pris de bâton de colle. Bon, il m'en reste pas mal. Hein. J'avais fait le plein pour les décos de Noël. Non, après, puisque les décos de Noël, je les ai fait avec. Je les ai fait en vacances. De toute façon, vous avez vu le décor et vous avez entendu mamie. Et j'en avais racheté. Je sais plus si j'en avais racheté avant ou pas. Je sais pas s'il y a la date. Non, je les avais achetés après, le 8 septembre. Bref, on s'en fout. Quand est-ce que je les ai achetés? Alors, on vient mettre de la colle sur le petit centimètre. Sur le 1 cm, voilà. Je vais essayer d'étaler un petit peu. Et on rabat. Voilà. Ouais, c'est bon, ça tient. On vient faire pareil. Bon, faut pas en mettre de trop, hein. Faut appuyer sans appuyer. Voilà. Et on rabat. On va faire ça sur toute la hauteur du sapin. Il gondole, mais c'est pas grave, puisque après on va faire l'arrière et vous allez voir que il va se redresser. Oui, je parle plus. Je me concentre. Voilà. Petite pointe là. Donc, ça nous donne ça. Bon, ce qui est un peu embêtant, comme avec à chaque fois les papiers action, c'est que ça craque. Là, on voit bien que ça a craqué. Après, avec un petit crayon vert, vu que c'est pas du vert uni, c'est du vert un peu, il y a du motif à l'intérieur. On pourra faire un petit trait de crayon pour oui, c'est pas jojo comme ça, hein. Un petit trait de crayon pour que ça, pour qu'on voie plus le blanc, quoi. Et là, on vient faire pareil de l'autre côté. On vient mettre un petit trait de colle sur entre chaque bande. Essayer d'en mettre un peu partout et de tout tenir d'un coup. C'est chaud, hein. Hop. Voilà. Donc, mon pistolet à colle, je le mets là. Et je viens tenir tout mon sapin qui est encore de travers. Alors, je sais pas pourquoi. Des fois, moi, il penche. C'est pas grave. De toute façon, c'est comme celui à la maison, il penche. C'est pas grave. Si c'est trop parfait, hein, c'est pas mieux. Hein. Ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir le coller. Vous voyez, il penche. On va essayer de tricher un peu, non? Bah non, on va pas tricher. Hein. Tant pis. Je vais venir le coller sur ma base de carte. Ici. Donc, je vais prendre ce que je fais avec la colle chaude ou est-ce que je mets du double face. Dilemme. Là, je pense que je vais mettre du double face ici parce qu'il y a une petite épaisseur. Mais il est un peu trop large, mon double face. Donc, je prends à peu près la largeur de mon sapin. Mais par contre, je vais dédoubler le double face. Alors ça, c'est chiant à faire. Puisque bon, bah, double face, hein, ça colle. Et je vais venir le placer ici. Comme ça, ça va un petit peu récupérer. Non, il faut que je recoupe un bout. Hein.
Bah, je vais prendre l'autre bout, il est plus fin. Ça, je vais venir le coller là. Voilà. Hop. Je vais mettre une petite bande de double face juste en bas. Voilà, hop. Et. Est-ce que je tente? Allez, je tente. Hop. Ah, voilà. Heureusement que j'ai été chercher mon autre bâton. Je m'en doutais bien que ça allait pas suffire. Hop. Voilà. Bon. Et je viens le placer. Alors, je vérifie mon ouverture. Impec. Je viens le placer en bas. Oh, tu penches mon coco. On va essayer de tricher un peu, mais c'est pas évident. Voilà, je suis venue le coller en bas. Il penche. Bon. On va pas en faire tout un truc. J'avais fait un petit nœud avec ce ruban là que j'apprécie beaucoup de chez Lidl. Voilà. Et à la base, j'avais prévu la colle chaude pour le coller. Mais avant, non, avant de le coller, alors, avant de le coller, je vais mettre un sentiment. Je les ai triés, ceux de Miss Tinguette, je les avais mis en vrac. Pardon. Je les avais mis en vrac dans une petite boîte. Et là, je les ai triés. Donc, j'ai La vie est belle. J'ai Bonne année. Bonjour, peut-être pas. En famille non plus. Bonne fête. Joyeuse fête. Et Il était une fois. Donc, on va voir bonne fête, ce que ça donne. Donc bien sûr, enfin bien sûr, non pas bien sûr, mais je vais prendre un doré, hein, ça vous étonne pas. Ah lâche. Alors je viens de les trier, mais ça non. Ah voilà. Ça n'empêche pas que ça s'accroche un peu. Bonne fête. C'est, ils sont très très belles ces découpes là. Ah ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien. Juste en haut là, comme ça. En plus, j'ai pas tout à fait collé mon bout là. Ah ouais, ça va faire bien. Regardez. Alors, ma petite pipette de colle. Je vais venir mettre de la colle derrière. Alors ça, c'est formidable. Hein. Je vous le dis à chaque fois. Mais si vous n'en avez pas, franchement, ça coûte pas grand chose. Ça vous pouvez sur les sites. Même sur les sites de loisirs créatifs classiques, on va dire, ça coûte pas grand chose ces petites pipettes là. Et ça fait des jolies n'importe quoi. Ça fait ça dépose de la colle un peu minutieusement, quoi. Oui, c'est pas, c'est moi qui parle de minutie. Oui. Mince, j'ai mis de la colle ici. Donc, le bonne fête, je vais venir essayer de le placer. Hop. Correctement, hein, tant qu'à faire. Donc j'appuie un peu pour que ça tienne. Voilà. Ah bah oui, mais t'es pas maligne, coco. C'est le bonne fête. Le bonne fête, il est là, mais si je mets le nœud, on ne verra plus le mot fête. Vous voyez? Donc, je pense que je vais couper la pointe. C'est Nigi là. C'est pas une, c'est l'autre. Je coupe la pointe du sapin. C'est pas grave. Et je vais venir placer mon nœud ici. Ouais, comme ça. Comme ça, on va penser que la pointe est sous le nœud, et alors que pas du tout. Mais le nœud, là, j'y tiens. Ce petit nœud-là, j'y tiens. Hop. Et après, je vais venir chercher des petites décos dans le livret, là. Oh, j'aurais dû faire les bouts, vous savez, les bouts des nœuds un peu en triangle inversé, là, je sais pas comment on dit.
Vas-y, coupe. Voilà. Oui, c'est mieux. Voilà. Ouais, c'est mieux. Regardez les petites pointes là. C'est plus sympa. Voilà. Hop. Déjà là, comme ça, moi, ça me plaît. Mais on va quand même mettre 2-3 petites décos. Ça va être... Faut que j'en trouve des pas trop grosses. Alors, ça, moi, j'arrive pas à m'en servir. Ça, c'est sympa. Je regarde. Parce que je sais pas, j'ai pas cherché avant. Ah, les deux chaussures, les deux bottes du Père Noël, c'est bien aussi. Alors, une option sur ça. Je vais laisser mon doigt là. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je mets 1000 ans à choisir mes décos. Hop. Non mais j'ai vu ouais, les deux petits chaussons là, c'est sympa. Ça aussi c'est mignon. Il me faudra un Père Noël alors. Il n'y a pas un Père Noël. C'est pas vraiment des Pères Noël. Non mais je vais mettre les deux petits chaussons là. Je trouvais ça mignon. On les défait. Je vais regarder s'il n'y a pas des petits picots à enlever. Parce que des fois ça dépasse un peu. Bon, c'est pas flagrant, mais vous voyez le petit bout blanc là. Des fois c'est pas terrible. Enfin, c'est les accroches qui restent. Qui sont sur le carnet. Voilà. Toi, t'es beau. Et toi, t'es beau. Bientôt. Voilà. Hop. Donc, je vais venir placer mes deux petits chaussons comme ça. Ouais. On va mettre de la colle normale. C'est du papier, ça suffira. Ouais, ça suffit. Hop, et je vais prendre des demi-perles pour décorer un peu le sapin. Qui sont là. Je vais prendre que des blanches. Ça, je vais le remplacer là. Et mon pic. Mon pic, il est où? Alors. On va mettre des petites. Et on va mettre des grosses après. Il y a un petit poil de chat là, c'est bizarre, hein. Voilà. Et voilà. Donc j'ai mis quelques petites boules et je vais en mettre les un peu plus gros. Je vais voir ce que ça donne. Si c'est pas bien, je les mettrai pas. Hein. Mais je vais regarder. Fil de colle. Ouais, ça va, ça colle. C'est des fois, ça ne colle pas. Alors, je vais essayer d'excentrer un petit peu parce que sinon, ça va être trop régulier et c'est pas ce que je recherche. Moi aussi, ça va. Moi, ça me plaît bien. Voilà, donc j'ai mis des petites boules un peu partout. Voilà, donc moi ça me suffit, il m'en faut pas plus. J'ai ressorti mon tampon, voilà, et je vais venir le tamponner à l'arrière. Je trouve que c'est sympa de signer ces cartes. Je le faisais jamais, côté narcissique, c'est pas du tout mon truc. Mais pourquoi pas. Rose bonbon coco. Voilà. Hop, j'espère ne pas le rater. Bah, si c'est raté, c'est raté. Et bah oui, c'est raté.
c'est mon encre est trop sèche. Moi, je m'en sers pas des masses. Hein. Moi, je suis pas très. Ouais, bon, il va falloir que je prenne une autre encre. Ce que je ferai, bah, c'est pas grave, c'est pas raté. Hein. Enfin, pour l'instant, si c'est raté, mais je viendrai découper un petit bout de papier, puis je viendrai le recoller dessus. Alors, attendez, je vais chercher une autre encre, si je la trouve. Des encres, j'en ai, hein, mais il faut juste que je les retrouve. Ah bah j'ai pas retrouvé d'encre, mais j'ai trouvé un chocolat. C'est bon, c'est pas mal aussi. Hop. Bon bah écoutez, encre noire. Je n'ai pas, bah c'est pas grave, je vais faire une autre couleur. Ça m'étonne que j'ai pas d'encre noire quand même. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Bah une... Je voudrais bien une grise. Moi, ouais, une grise, ça devrait le faire. Je vais remettre ça là-bas. Voilà. Et je vais venir tamponner ça. Hop, hop, hop. Moi, bon, et la patience du tamponnage, ça fait deux. Vous hein, voyez, tac, tac. Et c'est parti. Alors, c'est bizarre parce que les gros pattes comme ça. Je mets l'encre comme ça. Voilà, je prends mon bloc et je fais comme ça. Et par contre, les petits, je fais dans l'autre sens. Allez comprendre. Hop. Ouais, c'est pas extra. Hein. Un autre bout de papier, ouais, c'est pas ce qui manque. Peut-être parce que je suis sur un support pas très... pas très stable, mais mes encres les utilisent tellement peu souvent que je crois que ça sèche au bout d'un moment. Bah oui, c'est comme tout, hein, ça s'use. En plus, bon, allez, Coco, fais de la place parce que là, hop, hop, et hop, ça va venir ici. Voilà, et on y va. Ici, j'appuie. Bon, bah écoutez, hein, ça, ouais, c'est pas terrible. En plus, on voit tout le contour. Je vais pas faire ça. Je vais faire autrement. Derrière, là, j'ai... Oui, alors les trucs que je me sers le plus, je les laisse sur mon petit pad. Comme ça, si j'ai tout, c'est sous la main. J'ai pas besoin d'aller les rechercher vu que je sais que je vais les utiliser plus souvent. Allez, je tamponne. Je crois qu'il va falloir que j'investisse dans une encre noire. Je crois. Allez, hop. Bon, c'est bon là. Oui, non, j'ai pas de patience pour le tamponnage, moi. Ouais, c'est pas mal ça, allez. Donc, quand on fait des erreurs, eh ben, c'est rattrapable. Bon, en même temps, je crois que je me prends la tête pour pas grand-chose. Hein. C'est pas si grave que ça. On arrive à lire. C'est pas très terrible, mais on arrive à lire. Bon, bref, le but, c'était pas de faire un tamponnage à l'arrière. C'était de vous faire une carte. Voilà. Donc, voilà. Ma carte est terminée. J'espère que le petit système là de pliage de sapin vous aura plu et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo, je ne sais pas de quoi, mais on verra bien. Allez, des gros bisous et je vous dis à très très vite. Bonne création à vous et envoyez des cartes. Allez, je vous laisse. Ah, j'allais appuyer derrière comme je faisais avec mon appareil photo. Non, c'est ici. Allez, bisous à tous.